Les choses se précisent. Bientôt 6 mois qu'Henri Conan-Bédier nous a quittés. Son décès, survenu le 1er août 2023, à l'âge de 88 ans, a plongé toute la nation dans le deuil. Le lundi 19 février, le parti a annoncé la mise en place d'un comité de coordination sous la direction de Tidjane Thiam, nouvellement élu président. Le comité sera épaulé par Philippe Copli-Boni, président d'honneur en qualité de conseiller spécial. En outre, un comité de supervision des obsèques et un comité d'organisation pratique ont également été constitués. À la tête du comité de supervision générale des obsèques, l'ancien ministre Niamien Ngoran, Gervais Kakou, ex-ambassadeur et ancien ministre des Affaires étrangères, dirige le comité d'organisation pratique. 15 comités chargés de la coordination et de la mobilisation territoriale ont aussi été mis en place. Le parti a exprimé sa confiance en la mobilisation de ses membres et de la population ivoirienne pour honorer la mémoire d'Henri Conan-Bédier, président de la République de Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Les obsèques pourraient se tenir entre fin avril et début mai prochains.